J'ai l'avantage. Petit combo de 3. Bon, la flemme d'aller dans les recoins. Encore l'avantage. Que se passe-t-il? Ah yes, ça faisait longtemps que j'avais pas été empoisonné. Toujours un plaisir. Mais sérieux? Ah bah, super. Endormi et empoisonné. Nickel. Et je gagne des antidotes pour soigner. Hop. Oh, c'est l'enfer, les potions. Ça commence à devenir problématique. This will only take two rounds. Give me one. Ok. Hop. Démerdez-vous. Je sais pas que ça va foutre. Je sais pas si le mec qui veut se marier, il recherche que des... que des humaines ou pas. Honnête. Et ça level up, ça fait plaisir. Let's do it. Encore? Grâce au tir rapide, je le fais en 2 tours au lieu de 3. Cool. Mince. I'm on a roll. Ouais, sinon Groudon, toi qui n'as jamais fait FF5, tu le fais quand du coup? Mais bon, quitte à faire un bon Final Fantasy. Plutôt que me voir souffrir sur des Final Fantasy nuls. Quand tu fais le 100% de FF10-2. Alors, autre question du coup, c'est pourquoi tu me veux du mal quand moi je te propose de jouer à l'un des meilleurs FF? Est quand même au rang A de matière liste. Donc toi tu me proposes de choper le cancer. Il y a le 12 et le 13, c'est des grands crus. Eh bien j'ai pas dit le contraire. Bon bah les couilles, c'est pas la question.
Je te propose juste, enfin je te demande juste quand est-ce que tu vas faire l'un des bons FF qu'il y a dans toute la liste des FF possibles. Et tu me dis, ouais, mais il y a ceux-là aussi qui sont bien. Oui, mais tu les as déjà fait, donc c'est pas la question. Je te propose de découvrir un FF que t'as pas fait. Hop. Quand Ramo fera FF12. Ok, c'est noté. Je vais le harceler. Oh, cette exécution. Mais en vrai, le point de sauvegarde, il est où? J'arrive pas à comprendre la map, en fait. Je pense qu'il faut passer par en bas. Pas du tout. Je sais pas. J'arrive pas à comprendre cette carte de merde. C'est moi où elle tirait alors qu'elle avait pas l'animation parce qu'elle s'était fait stun. Il y a un point de sauvegarde par là, non. C'était le TP qui était par là. Et où le point de sauvegarde, bordel? Sauter. Eh, hey, mais qu'est-ce que tu fais là, toi? FF10, c'est un peu le summum niveau job, quand même. Il n'y en a pas de job. Comment tu peux dire que c'est le summum? Changer de job comme tu veux en plein combat. Ah, tu parles de FF10-2, pas FF10. Attention sur les termes. Bon, si tu me dis que... Tu vas pas me dire que le 10 et le 10-2 c'est pareil, tu vois. Sculpter cette statue me fait oublier ma rancœur contre les Guado. Très bien, ben continue de sculpter du coup. Mais ouais. Bah comme je l'ai dit, hein, le fait de pouvoir switch de job au combat, c'est l'un des points positifs. Ouais. Oh là là, je suis un peu en PLS en termes de soins. Mais ça va bien se passer. Putain, ce saut. Mais après. Enfin. Oui, c'est cool de pouvoir changer de job, etc. Et après, en même temps, est-ce que c'est vraiment très utile? Je pose juste la question, hein, mais je change quasi jamais de job. Le seul perso que je change de job, enfin, le seul perso, c'est Riku, parce que je peux pas juste la laisser en mage nord, sinon j'aurais plus de mana. Go ahead. Quoi? Bon, au moins, Yuna s'en est sortie. On va laisser Riku là. Hein. J'ai pas compris comment elle s'est fait one shot. Je suis perplexe.
T'es en position latérale de soumission, ah oui, c'est plus innovant, rondin de bois. En speedrun, ça l'est pas. Oui, en speedrun. Mais à chaque fois, tu me donnes l'argument du speedrun. C'est combien de pourcentage de joueurs le speedrun? C'est même pas 1% des joueurs. Donc on s'en fout. Ça représente pas. Ça représente rien. C'est comme si tu me dis, il y a un mec sur YouTube, il fait ça. Bah ouais, si tu veux. Merci. Ça commence à être compliqué là, pourquoi... Pourquoi est-ce qu'elle meurt à chaque combat? Ça devient gênant. Et pourquoi je me fais enculer aussi à chaque combat? Riku la victime... Bah ouais, je sais pas ce qui se passe là. C'était pas ici qu'il fallait venir. C'était dans la montagne, yes. Putain, mais ce petit... Cette petite mélodie à l'accordéon, j'ai vraiment l'impression que... Il y a un manouche dans le métro qui... Ou alors c'est... Là-haut. Bring it, punk. Ah, lui ça va, lui je sais que je peux le défoncer sans problème. Il y a une sphère de jet. On ne peut rien en faire. Montez, monte, monte. Merci. Alors, est-ce que c'est par là ou est-ce que c'était de l'autre côté? Telle est la question. Il saute. Je redescends. Bah, je t'ai vu remonter. On peut faire genre. Il se fout de ma gueule. Je me fais bolosse par un caillou. La montagne naturelle salaire. Ouais. C'est une caméra cachée. Mais Yuna avec ses yo-yo, elle touche à rien. Bah nique ta mère le caillou. J'ai envie de te dire genre... Si tu veux que je te dise. Y'a quoi par là? Un coffre. Queue de phénix, très bien. Ah bah... Monte l'Everest là je crois. Putain. Ça n'en finit plus. Ah mais c'était le truc du début. Quoi ça à gauche? Passé. Vous voulez faire de l'annexe, t'es servi.
Après moi ça va, hein, les petites phases de jump là ça me fait marrer mais... C'est vrai que je m'attendais pas à ça. Je sais même pas si je vais au bon endroit. Hein. Au final. On m'a dit d'escalader la montagne, j'escalade la montagne. Mais non mais ça c'était le tout début, je me souviens. C'est sûr et certain que c'est pas là. Au moins, je vais choper une sauvegarde, ça me va. La vraie question, c'est si j'étais à Ronso, où est-ce que j'irais? Je crois que t'es pas au bon endroit. Ouais, je crois aussi. Mais écoute. Je vais m'enfoncer jusqu'au fond de ma connerie. Plutôt que faire demi-tour et en fait me rendre compte que j'étais au bon endroit. Ça ouais c'est le truc du début. Je sais pas pourquoi les gens seraient ici mais... Pas grave, je pourrais descendre toute la montagne. Hey, il est solide celui-là. Ah non, c'est en dessous. What the fucking hell? L'esquive. Allez, saute! Et... C'est 100% pas là, mais... Écoutez... C'est... Petite visite. Alors, les mobs qui font 15 fois ma taille, ça ira. Non, mais c'est sûr que c'est pas par là. J'ai pas vu de Ronso depuis un petit moment. Dommage, j'enchaînais bien. Désolé YouTube. Hein. À la recherche des Ronso perdus. C'est toi qui es perdu. Certes. Un crabe. Je suis sûr. Enfin, c'est marrant parce qu'avec ses yeux, il fait tout triste en mode oh, mais je voulais juste. Je voulais un câlin. Oula. Et tu nous perds aussi. Mais non, t'inquiète. Regarde. Je speedrun la descente de la montagne. Alors, j'ai bypass un étage. C'est avec les speedrunners qui peuvent le faire. C'est pas un boss que t'avais one shot. Je me souviens plus, moi.
combats alors que je suis occupé de tomber dans le vide. Dommage, on n'a pas entendu le cri de la chute à la Tomb Raider. Ces machines, si c'est Shinra qui les a mises, pas cool. Je suis où là? Est-ce que j'ai pas découvert un exploit pour du speedrun? Je pense que si. Que je suis speedrunner de FF12, ouais, je pense. Bon, je vais la faire legit, hein, mais. Comment je descends? Comment je descends? Goblins at your service. Je sais pas voir où je descends. Je descends de 100%, non, non, any percent. Mais là vraiment. Les câbles, bah ouais. Là en regardant la minimap, je vois pas par où je dois passer, mais vous en faites pas. J'arrivais d'en bas, hein. J'ai pas envie de tout me retaper aussi. D'ailleurs, pourquoi je combats là, alors que c'est des ennemis de merde? Mais... Après, c'est peut-être juste la détection du saut qui est pas ouf. D'après la minimap, il doit y avoir un truc par là. Mais wesh. C'est quoi ce jeu de merde? Non! Mais la confusion, il n'y a rien de pire dans le jeu. Elle a utilisé un éther plus sur l'adversaire. Elle a utilisé un deuxième éther plus sur l'adversaire. Mais tu es là, hein. Retourne au vaisseau. Ouais, et puis je pense même que je vais recharger ma partie, hein, parce que là... D'une, j'étais bloqué, et de deux, j'ai juste pas envie de... De perdre deux éthers plus. Et comme j'ai fui la plupart des combats, j'ai pas trop perdu grand chose. Mais là, c'est chiant parce que je vais devoir refaire toute la route. Est-ce que j'ai gagné assez de level pour m'en battre les couilles des Ronso finalement? 4 étoiles encore. Bah, c'est bien, on va se retaper la montagne. Super. Génial, hein. Aïe 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 aïe, j'ai pas les droits. J'ai pas les droits pour cette musique. Aïe 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 aïe. Tu trouves un bug et tu te retrouves softlock. Ça me rappelle moi dans FF13-2, tiens. Une fuite de chez toilette. Ah. Bring it, punk. Non mais j'ai juste envie de casser des choses en fait. Duck soup. Duck what?
Mais là, tu crois vraiment que c'est un bug? Avec le fait de pas avoir pu... enfin, d'être resté comme ça dans les airs? Peut-être. Alors, pas devoir être là à ce moment-là du jeu. Du coup, le jeu comprend pas trop. Déconne pas, je suis vraiment retrouvé le surf club dans la petite phase 2. Bah pourquoi pas, hein. Je vois pas pourquoi tu pourrais pas en fait. Et moi c'est pour ça que jamais je me fie à la sauvegarde auto et c'est pour ça que j'ai toujours deux saves hein, en alterné. S'il y a une corruption de sauvegarde, s'il y a... Pas joué, hein. S'il y a une corruption de sauvegarde, s'il y a un bug quelconque ou quoi... Bah au moins... Je suis plus ou moins safe. Y'a que Payne qui peut jouer. Grand moment. Antidote. J'aurais pu en profiter pour racheter des consommables, mais... C'est un peu compliqué de faire deux saves quand la sauvegarde auto saute de sauve sur ta sauvegarde principale. Ah! Bah si! Quand tu sauvegardes deux fois. Même trois fois. Non, tu sauvegardes deux fois. En gros, tu sauvegardes une fois sur le slot comme moi je fais là, en gros. Tu sais, tu fais... Et tu sauvegardes une autre fois sur le slot qui sera considéré comme sauvegarde auto, tu vois. Pas si c'est clair, mais... Du coup, tu te retrouveras avec trois saves. Celle de backup, celle où t'en es, et la sauvegarde auto. La save actuelle qui sera écrasée par la sauvegarde auto. Y'a pas de point de sauvegarde. Ah! Après, si le jeu est mal fait... C'est con de dire ça. Vous savez, je suis un joueur des années 90. Moi j'ai été élevé avec les points de sauvegarde. Il y a des points de sauvegarde dans FF7 Remake. Je peux seulement créer plusieurs sauvegardes différentes à un endroit du jeu. Ok. Ou l'esquive. Sachant que pour y aller, tu dois faire une save auto. Ah. Ouais, moi, je suis un vieux con sur plusieurs aspects du en jeu vidéo. Donc... Faut pas écouter ce que je dis. Que je te vends du rêve. Ah, tu me parles juste de sauvegarde, donc en soi, m'en fous. Enfin, en soi. Qu'est-ce qu'elle fait en mage blanc hein? Genre, elle peut switcher comme ça, bouf, mage blanc pour juste. Ah. Intéressant. Je savais pas. Est-ce que je peux réparer ce truc? Ouais, bah, si tout à l'heure je l'avais réactivé, bah, j'aurais pu gagner là. 5 minutes, 10 minutes. C'est à cause d'une altération d'état. Comment ça?
Comment ça, c'est à cause d'une altération d'état? C'est juste que j'ai le job sur le... sur sa palette. Je suppose. Mais le doute. C'est quoi sa palette? Bah non, même pas. Elle est où? Là. Bah non, c'est mage noir. Alors là, c'est les escaliers qu'on ne va pas monter. Enfin, les escaliers. L'altération d'état qui te fait switcher de l'hémisphère aléatoirement. Non, mais là, j'étais dans le menu. Ah bah, c'est des... Yes. Un vrai plaisir, hein, toutes les attaques là qui one-shot. Vraiment, meilleur... meilleure idée de game design. Là pour le coup, regarde par exemple là, Yuna. Elle est en mode festival yo-yo, tong, etc. Si là je clique sur mage blanc, hop, elle est en mage blanc. Je peux faire les soins et pouf. En fait, c'est comme si je faisais équipement, machin, je le mettais sur une palette qui a le mage blanc, que je passais en mage blanc, que j'utilisais le sort de soin. Bref, que je faisais tout ça à la main, c'est juste un raccourci quoi. Ils ont fait. Oui, j'ai réactivé le téléporteur. Je suppose que je dois monter. J'ai aucune idée de où je dois aller, c'est assez impressionnant. Mais il est lol. Trop fatal, yes, ça faisait longtemps. Attaque folie, bah yes. C'est la fête. Non mais non, je fais de la merde. C'est bon. Bombe S. Elle a quasi buté. Quasi buté. Elle s'est quasi butée, Riku déjà. Là, elle est morte. Trop bien. Meilleur combat. Pro Fatal ne divise pas les HP actuels par deux normalement. Je sais pas. En tout cas, là, c'est vraiment fatal. Elle fait pas grand chose de ses manas, elle. On va aller à gauche. Je suis jamais venu à gauche. Faut monter, c'est par là. Oui, de toute façon, oui, c'est par là la route. C'est celle de FF10. Et s'ils sont partis tout en haut, c'est par là. Et il y a un point de sauvegarde, ça, ça fait plaisir. Je joue trop à Pokémon. J'ai quand même confondu le mob avec un ratata. Alors. Pas mal. Je peux me re-soigner. Actuel téléporteur. Pas des ratata. Non. Même s'ils sont bleus. C'est pas des ratata. Run so hold anger no longer.
Ron saw youth fearless go to battle with Guado. And if I ask you not to go? Mountain tell Ronso to go. What if you can't go? Summoner not hold Ronso anger with puny arms. But if I do, you will stop this talk of vengeance. Very well, but Garrick never fall! Somebody's a few spheres short of a garment grid. Typical Ronso. Good point, but I was talking about Uni. I summoner you no true Ronso anger. Ok. Bon, ça va, il y avait un point de sauvegarde juste avant, donc c'était le point positif. Elle, on va la repasser en mage noir. Ici, Escrim va être une déprime sur Garrick. Et un petit brasier X sur tout le monde. Elle est tout en noir, Riku. Concentration. Je sais pas ce que ça fait. À tester. Ça serait peut-être bon de la soigner. Ah mais elle là, elle va servir à rien. Elle va tout louper. C'est quoi ça? Tu t'en es servi je sais pas combien de fois dans le lit, tu sais pas ce que ça fait concentration. Ah mais là elle a rien fait. Un moins. Sont mis des buffs aussi. Ah, j'ai bien vu. Et il n'en a plus de mana. Se mettre du collier pour les yeux. On dirait de pouvoir attaquer. Absorber MP de gagner. Trop bien. Que j'ai récupéré. Oh non, c'est reparti. Mother. Carrément. Allez, ça dégage. Depuis quand tu galères sur un boss? Je galère pas, c'est juste qu'il a 1 million de... Enough vengeance, Garrick. De protection et... Payne qui est aveuglée, donc elle peut pas taper. Yuna defeat Garrick in battle. Forcément, c'est plus long. Garrick honor Yuna's wish, not go to battle. Thank you.
Garrick not need thanks. J'ai pas mis regard aussi, je sais pas, j'avais la gueule dans les menus. Garrick, wait. Destroy Guado after he become better warrior. Très bien. Ce fut long et fastidieux, mais on a réussi.